L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Voici votre moment de méditation quotidienne. Avec Dieu, chaque jour. Notre but, la perfection, le 24 septembre. Soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait. Matthieu 5, verset 48. Dieu n'acceptera que ceux qui ont un idéal élevé. Il met tout être humain en demeure de faire de son mieux. La perfection morale est exigée de tous. Ne rabaissons jamais le niveau de la justice pour l'accommoder à nos tendances au mal, héréditaires ou cultivées. Rappelons-nous sans cesse que l'imperfection du caractère est un péché. Tous les attributs d'un caractère parfait se trouvent en Dieu qui est la perfection absolue. Quiconque reçoit le Christ comme sauveur personnel peut avoir le privilège de posséder ses attributs. Il faut que ceux qui veulent être ouvriers avec Dieu cherchent à perfectionner toutes les facultés de leur intelligence et à entretenir leur corps en santé. La véritable éducation, c'est l'épanouissement de nos facultés physiques, mentales et morales, en vue de l'accomplissement de nos devoirs, du développement de notre corps, de la formation de notre âme et de notre esprit pour le service de Dieu. C'est la seule éducation qui subsistera jusque dans la vie éternelle. Mais le Christ ne nous a jamais dit qu'il était facile d'atteindre à la perfection du caractère, car le caractère noble et bien équilibré ne nous est pas donné à la naissance ou de façon accidentelle. On l'acquiert par des efforts individuels, par des mérites. Les mérites de la grâce du Christ. Dieu nous donne les facultés, les talents, à nous de former un caractère. Nous y arriverons au prix de luttes dures et sévères avec le moi. Il faut s'examiner avec le plus grand soin et ne faire grâce à aucun trait de caractère qui serait défectueux. Que nul ne se déclare incapable de remédier à ses défauts de caractère. La difficulté réelle se trouve dans le cœur qui n'a pas été sanctifié et dans la volonté qui refuse de se replier à celle de Dieu. Faire sa volonté, c'est travailler au bien de l'humanité. Merci d'avoir écouté cette présentation. Assurez-vous de nous rejoindre demain pour votre moment de méditation quotidienne avec leRest.org.